Bonjour mes petites soeurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, un peu fatiguée, mais ça va. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer mes petits achats que j'ai fait en convention et hors convention, parce que on a été à la Fnac et à Micromania. Parce qu'en fait la convention commençait à 2h et nous on est arrivé à 10h, enfin 9h qu'on est arrivé à la convention. Du coup on a eu le temps d'aller faire un petit peu de shopping. Du coup je vais vous montrer ce qui n'est pas du tout convention ni magasin. On a reçu le colis qu'on attendait. Ça n'a rien à voir. C'est juste un colis que j'ai reçu et je voulais vous montrer. Et voilà ce qu'on a reçu en le petit colis qu'on a reçu vendredi. Du coup j'avais envie de vous montrer en même temps. Et vous savez quoi, j'en ai 3 à ouvrir comme ceci. 1, 2 et 3. C'est les 3 les mêmes. On avait trop envie de les avoir. Nous, chez nous, on ne sait pas les avoir. Du coup, on a demandé à quelqu'un de nous les prendre. On les a achetés. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec la convention. Mais c'est fait comme ça, c'est montré. Du coup, on va vous montrer ce que j'ai acheté par Micromania. Alors, mon chéri fait la collection des LOL, le jeu LOL, Lego, les gens, enfin, ceci. Et il nous manquait cette pop-ci. Du coup, monsieur l'a pris pour, je crois que c'était 9 euros, elle était en promo. C'est vie de Lego Légende, Lego Légende. C'est vie en pop. Du coup, voilà, normalement, logiquement, il doit avoir toute la collection. Voilà pour ça. Après, c'était un magazine. Après, moi, j'ai fait une petite razzia à Micromania. Parce que j'en voulais depuis un moment. Enfin, j'avais vu quelqu'un ouvrir les boosters. Enfin, j'ai regardé une youtubeuse. C'est Thibou. Je ne sais plus son nom exactement. C'est les nouvelles pop. Enfin, pop. Les figurines Mister et Mimi de Funko, de la petite sirène. Du coup on va s'ouvrir ça sur la chaîne. Bon, moi je les ouvrais pas tout d'un coup, il y en a 12, parce que moi je les ouvre souvent par 3, comme ça j'ai un petit peu plus de vidéos et plus de suspense, j'aime bien. Logiquement je vais essayer de vous montrer comme ceci. Il y a des ratios dessus et logiquement j'aurai quelques doubles. Si ça intéresse quelqu'un d'avoir certains doubles, normalement, je devrais avoir la petite sirène, Polochon et plus c'est comment, le crabe encore. Oh, je ne sais plus son nom. Je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus son nom. Mais le crabe, là. Ben, c'est tout pour Micromania. Après, chez la Fnac, on a un peu trop craqué. On a des choses que nous, on n'a pas. Enfin, il faudrait que j'aille voir chez nous. Moi j'ai d'abord craqué pour un petit jeu Switch comme ceci, parce qu'il était 2 fois moins cher à la Fnac en France que chez nous. Du coup j'ai pris ce petit jeu de ferme. Mon chéri joue au PC, mais moi je joue sur Switch. Parce que moi le PC c'est 2, à part les Sims, c'est tout ce que je joue. Après il a craqué pour des Hannibo. Bien sûr, Hannibo de Pokémon. Du coup, on a... c'est pas ni... C'est Bulbizarre, je pense. Notre petit Bulbizarre, comme ceci. Voilà, il est trop beau. Voilà. Nous, on ne les sort pas de la boîte. Si je sais, une fois, je vous montrerai. Mon chéri les colle au mur pour le moment. Voilà ça. Après on a pris Zelda en pixel D, que lui c'est un gros fan de Zelda. Voilà, je les retire pas des boîtes. Par contre le prix là en plein milieu, voilà, c'est un peu emmerdant. Il faudra essayer de retirer ça, parce qu'en plus c'est le code barre, c'est l'antivol en même temps. Voilà. Après, j'ai encore des Hannibo à vous présenter.
pas là-bas un Micromania, enfin la Fnac, il a craqué plus pour les animaux. Hop, un ticket de caisse. Après, on a encore Zelda, mais je crois que c'est le nouveau Zelda, le nouveau jeu. Zelda, il est très beau, j'aime bien. Un petit Zelda. Enfin, c'est même pas Zelda, c'est Link. Link. Zelda, c'est la fille. Très beau, j'aime bien. Donc, voilà. Après, on a deux qui étaient... J'ai déjà montré? Non. Qui étaient dans la... Ah, si. La première que je vous ai montré, on a Carapuce, voilà, et c'est du jeu Mario Super Mario Crunchy, le jeu pour se battre, voilà. Et alors on a Pichu comme ceci, trop mignon, voilà. Et après, ça c'est un peu pour moi qu'il a pris ça. Je regarde dans le sac. Voilà. Hop, il n'y a plus rien. Et ça, il a pris ça pour moi. J'ai craqué. Je ne les avais pas encore vus. Enfin, maintenant je les ai vus. Parce que Tiquick les a ouverts. Je viens de voir sur sa chaîne qu'elle les a ouverts du week-end. Mais moi, je me suis pris 3 Mister Emily de La Reine des Neiges 2. Du coup, on s'ouvre ça sur la chaîne. Je sais pas si je les garde pour l'ouverture, enfin la sortie du film, ou si je les ouvre et je les mets déjà. Voilà. Et on a essayé d'avoir ce que je voulais. Du coup, il est un peu, mon chéri est un peu tâté, enfin tâté, se peser. Celui-là, il est très lourd. On sait que c'est qui celui-là, mais enfin, soit. Je vais pas vous le dire. Moi, je sais. Enfin, j'ai un doute. Je vous montre un petit peu la petite collection comme ceci. On a quand même pas mal, on a des ratios. La plus rare, c'est Elsa avec sa belle robe, là, ici, dans le coin. C'est une chance sur 36. Ça, si je peux m'en procurer, j'en prendrai, parce que j'aimerais bien les avoir. Voilà. Après, ben, je vais vous montrer ce qu'on a acheté dans la convention. Parce que là, on a craqué, enfin, lui, il a encore craqué. Pour ça, parce que comme on avait les autres, je sais même pas si c'est la même collection, ouais je pense, on n'avait pas trouvé le Dracaufeu, du coup on a pris le Dracaufeu Anibo comme ceci. Je crois que c'est la même collection, voilà. Mon chéri aura normalement toute la collection, il va être content. Voilà, après on va pour ce petit sac-ci. C'est des petits vêtements. Je vais tout sortir parce que ça fait beaucoup de bruit. Oh ben, je vais vous montrer déjà le petit cadeau que j'ai reçu en achetant. C'est un petit panda porte-clé. Je pense que je vais bien sûr pas savoir. Hop, ciseaux toujours à portée de main. Hop, voilà. Il est trop mimi. Un petit panda que je vais mettre à mes porte-clés, je pense. Il est trop mignon. Je l'ai eu en cadeau. Très gentil ce monsieur. J'ai pas son nom. Après, j'ai craqué pour des t-shirts de princesse. Je crois que c'est ça. Oui, c'est toutes des princesses. On va finir par le dernier que j'adore. Alors, le premier, c'est un t-shirt. Ben, c'est tous des t-shirts blancs. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous reconnaissez le dessin? Voilà, je vous montre très bien comme ça. C'est, est-ce que vous l'avez reconnu? C'est oh, c'est Alice au pays des merveilles. C'est moi qui buguais maintenant. Elle est trop belle, je suis trop contente. J'espère que le t-shirt va aller parce que c'est des tailles assez petites. Le deuxième, c'est mon deuxième coup de cœur. Mon premier coup de cœur sera en dernier. J'ai acheté 3 t-shirts. Je montre le deuxième. Mais mon deuxième coup de cœur, c'est la petite sirène. Regardez ça, qu'elle est trop mignonne. J'adore. Je suis trop fan de ce t-shirt. Et c'est des t-shirts blancs avec des manches courtes comme ça. Il est trop beau.
Il va super bien aller, je pense, j'espère. Et alors, mon coup de cœur de cette vidéo, c'est bien sûr... Est-ce que vous avez deviné? Non? Ouais, vous avez deviné, je suis sûre. La petite Blanche-Neige, j'allais dire. Oh là là, ça m'a plu. Clochette un peu stylée. Elle est trop stylée, j'adore. Regardez cette merveille. Elle est trop belle. Voilà. Trop belle. Alors, pour la dernière petite chose, ça c'est un... Vous allez tous... J'essaie de ne pas montrer le dessin, vous allez tous reconnaître. Mais ça, c'est une occasion que je n'aurai plus jamais. Parce que les Dream Shore sont très chères. Celle-ci, elle m'a coûté mais presque rien. Au début, je ne la voulais pas parce que c'est pas... C'est pas un de mes dessins animés préférés. Mais quand on m'a dit le prix, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Parce que j'aime bien Disney. Bon, je la sors en attendant que je vous parle. Hop. Logiquement, elle est à une soixantaine d'euros dans les magasins. Elle est là, dans mes mains. Si je dis pas de conneries, il faudrait que je regarde, mais elle est à une soixantaine d'euros. Moi, je l'ai eu pour 20 euros. Pour 20 euros. Comment dire de pas reprendre? Oh, si je trouve pas dans le bon. Voilà, je l'ai. Elle est là. Elle est là. Enfin, c'est un couple. Un couple de Disney. Elle a une robe bleue, une robe blanche. Rose. Une rose. Je vais plus parler, c'est pas grave. Je recommence calmement. Une robe rose et une robe bleue. En même temps, dans le dessin animé, il y a Paprenelle. Après, les autres, je ne les connais plus. Ouais, elle va sortir. Tout doucement, ma petite princesse. Je pense que c'est... Et après, ouais. Je ne sais plus, je dis des conneries, peut-être. Elle est bien emballée. Elle est trop super bien emballée. Je vais même coller... Regardez ça, je vous... montre qu'il est bien emballé. Vous allez voir la merveille en déballant cette merveille. Je vais pas tout déballer parce que je vais la laisser pour le moment dans sa boîte. Du coup, je sais pas si vous avez reconnu avec les indices, c'est Aurore et son prince charmant. La voilà complètement. Vous voyez ça, il faut retirer. Il y a les mousselas qu'il faut retirer. C'est pour pas que il casse. La cape qui est protégée. Voilà, je vous montre le visage. S'il veut bien faire juste le focus sur lui. Voilà. Puis la petite Aurore, elle est un peu avec ses muscles. Elle est... Pour ça, j'ai rien à dire. Elles sont vraiment bien protégées, les Dream Shore. Hop, voilà notre Aurore. Elle est dans sa robe bleue. C'est pas un dessin animé que j'adore. Mais pour 20 euros... Je crois que ça vaut la peine. C'est une soixantaine d'euros à Disney. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, elle est trop belle. J'adore. Les détails sont super. Je peux vous la montrer. Elle est pas, on ne voit pas tout. Mais la cape. Puis comme je la déballe pas complète. Et j'arrive pas à retirer ça en fait. Du coup, je vais la laisser. Je demanderai à mon chéri de... Ça, il faut couper. C'est pour tenir les mousses qui sont là, justement. Et mais elle est trop belle. Je ne sais pas encore où je vais la mettre parce que j'ai plus beaucoup de place. Mais comme... il faut qu'on déménage et on n'a toujours pas trouvé ce que nous fallait. Pour le moment, ça va rester un petit peu en boîte. Je suis triste, mais voilà. Bon, c'est pas un dessiné que j'adore, mais pour le prix, bien sûr. Voilà. Et peut-être, si j'arrive à 100 abonnés, je ferai peut-être gagner une Dream Shore, si je sais encore où en trouver une. Et pour le moment, là, j'en ai pris qu'une seule. J'avais envie de
Enfin, mon chéri me disait, on en prendrait bien une deuxième et on la fera gagner si t'as 100 abonnés. Et puis moi j'ai dit oui, combien de temps je vais la garder? J'ai peur de la casser si je... Comme j'ai pas encore... J'ai que 74 abonnés pour le moment. Du coup, on verra si je fais pas gagner un petit drichor à quelqu'un. À vous de partager, de liker avec vos amis pour essayer d'avoir une Dream Shore en cadeau. Voilà. De toute façon, je connais bien le marchand. Ça... Voilà, du coup, il y a moyen que je m'en procure une. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel item vous a plu. Moi, franchement, je vais dire ma Dream Shore parce que je l'aime bien quand même, même si c'est pas... Oups, je vous fais bouger un tout petit peu. Pas un souci, c'est pas grave. Et puis mon t-shirt, surtout mon t-shirt. Mon t-shirt. Je sais pas si je vais savoir la remettre. Pardon. Ah. Hop, on pousse fort. Hop, voilà, je la remets en boîte pour le moment. J'ai peur aussi que mon chat va faire ses griffes dans le machin blanc là, je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai déjà partout, alors voilà. Frigolite, voilà. Dites-moi en commentaire quel truc vous voulez. Dites-moi si vous avez envie que je les ouvre très vite ou que j'attends un petit peu. Voilà, j'ai trop envie. Allez, ben moi je vais vous laisser là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!